l'offre de la monnaie. Ta balet je zasnoval gospod Bežar leta 1966 v Théâtre de la Monnaie v Bruslju. C'est un ballet sur la joie, c'est pour ça qu'on l'a choisi, pour ouvrir le programme. C'est un ballet qui est en même temps d'une grande technicité et d'une grande pureté, où Maurice n'a pas voulu raconter quelque chose de particulier, si ce n'est suivre la partition et l'évolution de la partition. To je en tak vesel balet, ki ima v sebi, ki v sebi skriva tudi veliko tehničnosti. Ni pa gospod Bežar, Moris s tem ni hotel povedati nič posebnega, ampak je predvsem hotel slediti partituri eno tako veselje izraziti. Ensuite, pour la première fois, je vais vous montrer une de mes créations, qui s'appelle Syncope. C'est un ballet que j'ai créé il y a 2 ans maintenant. Et donc pour moi, c'est une grande chance de pouvoir vous montrer aussi les nouvelles chorégraphies de la compagnie. Drugi del jutrišnje predstave je zasnoval gospod Roman sam. Naslov tega je Sinkopa in sicer je bil narejen pred 2 letoma. C'est un ballet qui a été où j'ai commandé la musique à 2 musiciens, donc c'est une musique originale. C'est un ballet qui raconte qui part de l'idée de quand on tombe en syncope, où sommes-nous pendant le temps où nous sommes en syncope. Donc c'est un ballet qui permet tout. Voilà, donc c'est un ballet qui est très différent dans la construction de la soirée. Vous avez d'abord un ballet très classique de Maurice qui est Cantate 51. Vous avez un ballet d'aujourd'hui qui sera Syncope. Et puis vous avez en deuxième partie l'œuvre majeure de Maurice Béjart qui est Le Sacre du Printemps. Torej, drugi del Sinkopa je pravzaprav iskanje, ki si ga je zamislil gospod Roman, namreč Sinkopa gre tudi za nek medicinski fenomen in gospod Roman se sprašuje, kaj se takrat s človekom dogaja, kako, kaj v tem času, v kratkem času Sinkope. Glasba za ta balet je originalna, ki jo je gospod Roman naročil pri 2 izvajalcih. Tako da je pravzaprav, če je tisti prvi del kantata 51 nekaj klasičnega, je tale sinkopa nekaj bolj modernega. Seveda potem zadnji del še posvetitev pomladi.